Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment nommer des alcanes qui portaient juste soit une chaîne simple, soit un cycle. Eh bien ici, on va compliquer un petit peu les choses et on va parler en particulier des ramifications qui peuvent exister sur une chaîne d'alcanes. Donc on va prendre un premier exemple, celui-ci, voilà. Et on voit bien que sur cet exemple, eh bien, on n'a pas une chaîne simple, on a quelque chose ici qui est rajouté à la chaîne simple, et on appelle ça une ramification. La première chose qu'on doit faire quand on a une molécule comme ça, eh bien, c'est de déterminer quelle est la chaîne carbonée la plus longue. Alors, par exemple, ici, si je regarde et que je compte mes carbones, si je commence par ici et que je vais vers là où j'ai le plus de carbone, je les compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 carbones. Tandis que si je commence par ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la chaîne carbonée la plus longue va être celle-ci que je vais repasser en rouge. Et cette chaîne ici carbonée la plus longue, eh bien, ça va être ce qu'on appelle le squelette de la molécule, et c'est ce qui va donner la racine du nom, le radical attribué à la molécule. Donc ici, 9 carbones, donc on se rappelle bien que si on a 9 carbones, eh bien, on a le préfixe non. Donc on a 9 carbones et le préfixe non. Voilà. Ensuite, on regarde de quelle famille il s'agit. On a ici que des carbones et des hydrogènes, et on a que des liaisons simples entre les carbones. Donc, on sait que l'on a affaire à la famille des alcanes. Donc, pour le squelette principal de la molécule, on va avoir affaire à du nonane. Ensuite, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette partie-là, de cette ramification. Donc, si on regarde bien, en fait, on a ici un seul carbone. Donc, si on dessine l'ensemble de la molécule, on a un carbone et puis on a ces trois hydrogènes qui sont implicites. On a appris que quand on a un seul carbone, eh bien, on a un préfixe qui est attribué à ce genre de choses, qui est le préfixe méth. Comme il ne s'agit pas de la chaîne principale, mais d'une ramification, au lieu d'appeler ça le méthane, eh bien, on porte après le préfixe méth la terminaison tout simplement -il. Donc là, cette terminaison -il, elle est liée aux ramifications. Quand on a une ramification, on porte la terminaison -il et on parle d'ailleurs des groupements alkyles. On peut avoir le méthyle, l'éthyle, propyle, butyle, etc. Donc on pourrait appeler cette molécule tout simplement le méthylnonane. Mais si on se contente de ça, en fait, c'est imprécis. Parce que ce groupement méthyle, il est positionné exactement sur ce carbone. Alors regardons ce qui se passe sur les deux écritures différentes suivantes. Donc, je reprends ici ma chaîne à 9 carbones. Dans l'exemple du haut, on a une ramification ici. Mais si j'ai juste l'indication méthylnonane, eh bien le méthyle, je pourrais le mettre n'importe où. Je pourrais le mettre par exemple ici. Donc pour différencier ces deux molécules, ce que l'on fait en fait, c'est qu'on va numéroter de manière bien précise la chaîne carbonée la plus longue. Et la règle ici pour numéroter les carbones, c'est de la numéroter dans le sens qui fait que le groupement ramifié, la ramification, va porter le nombre le plus petit. Parce que ici, j'ai deux moyens de la numéroter. Je peux te dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si je pars dans ce sens-là. Mais si je pars dans ce sens-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ce qu'on fait en fait, c'est qu'on va la numéroter dans ce sens-là, de manière à ce que le groupement ici, méthyle, porte le numéro le plus petit. Et je fais la même chose pour la deuxième molécule que j'ai représentée ici. Et bien, dans ce cas-là, j'aurai ici le méthyle qui est porté sur le carbone numéro 3. Donc, j'appelle cette molécule le 3-méthylnonane. Alors que sur cette molécule ici à droite, et bien, c'est le carbone numéro 4 qui porte le groupement méthyle. Donc, j'aurai le 4-méthylnonane. Donc bien se rappeler ici que ce qu'il faut, c'est déterminer la chaîne carbonée la plus longue et ensuite numéroter les carbones de manière à ce que les ramifications portent les nombres les plus petits. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'exercice inverse. À partir du nom de la molécule, comment j'écris la formule topologique. Donc par exemple, si on a le 3-éthylheptane, donc il faut décomposer ce nom pour bien comprendre tout ce qu'on a. Alors, la première chose que je regarde, c'est ici. J'ai la terminaison ane, donc je n'ai que des liaisons simples entre les carbones. Ensuite, j'ai hept, et on se rappelle que hept, c'est associé à 7 carbones.
Donc je vais avoir une chaîne principale, un squelette de ma molécule, à 7 carbones, donc que je représente. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà pour le squelette de ma molécule, la chaîne heptane. Et puis j'ai sur le carbone numéro 3 un groupement éthyle. Donc je vais numéroter mes carbones. Et sur le carbone 3, je vais mettre un éthyle. Donc éthyle, qu'est-ce que ça signifie ? Éthyle ici, je vais avoir deux carbones. Donc au niveau du carbone 3, je place un groupement à deux carbones. Et ce groupement à deux carbones est lié ici au carbone numéro 3. Un autre exemple maintenant avec le 6-butyl tétradécane. Donc de la même manière, eh bien, j'analyse ce nom. J'ai la terminaison AN qui impose que 10 liaisons simples entre les carbones. Ensuite, j'ai le terme tétradec et ça veut dire que j'ai une chaîne à 14 carbones. Donc je représente d'abord une chaîne à 14 carbones. Et ensuite, sur le carbone numéro 6, je vais avoir un groupement butyl. Donc je dois d'abord numéroter mes carbones et au-dessus du carbone numéro 6, eh bien, je vais mettre un butyl. Le butyl, ça correspond à 4 carbones. Donc au-dessus du numéro 6, je vais proposer 4 carbones. 1, 2, 3, 4 carbones. Et ce groupement butyl est bien lié au carbone numéro 6. Donc je fais ma liaison ici vers le carbone numéro 6. Alors je pourrais me poser la question, est-ce que le 9-butyl tétradécane pourrait exister ? Donc je refais une chaîne carbonée à 14 carbones et je les numérote de la même manière et j'essaye de mettre sur le numéro 9 le groupement butyl avec 4 carbones, 1, 2, 3, 4, que je relie au carbone numéro 9. Alors est-ce que je peux avoir ce 9-butyl tétradécane ? Eh bien en fait pas du tout, parce qu'une des règles très importantes, c'est la numérotation de la chaîne carbonée la plus longue, de manière à ce que le groupement ramifié porte le numéro le plus petit. Donc si j'avais à nommer cette molécule, eh bien en fait je devrais numéroter dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et donc cette molécule ici, c'est bien le 6-butyl tétradécane et non pas le 9-butyl tétradécane. Le nom 9-butyl tétradécane n'existe pas, même si la représentation de cette molécule est correcte. Bien retenir ici, sur ce dernier exemple, que la numérotation de la chaîne carbonée la plus longue est une règle très importante à appliquer.